Comment ça va, Toto? Bonjour, Jean-Claude. Mais bien. Puis allez. Nous, plus pommes de terre. Moi, je m'appelle Saïnk de l'armée, moi. Qu'est-ce que ça fait que ça me va? Hein? Vous ne connaissez pas encore? Non? Mais ce soir, il paraît que vous êtes à l'Europe le chou. Non, chou-fleur. Je m'a pas trouvé le chou-fleur. Mais tu ne pas une matelote? Ben, la matelote, avec les pommes de terre, alors. Un poulet, pommes de terre. Parce que ce soir, ben, lui, il sera sur le côté, mais ce que va compter le plus, c'est que ben, là-bas, sur le bar, nous, on a des boissons. Hein, parce que là, ce soir, on s'en fait attention, c'est écrit dessous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, parce que quelqu'un s'est fait lui des cocktails ce soir. Hein, beaucoup de cocktails. Hein. Bon, ça fait partie aussi d'une culture culinaire. Hein. Ben, il faut manger, il faut boire, avec modération, bien sûr. Et donc, ce soir, on va connaître un petit peu ça. Alors, hein. Mais bon. Ah, où la tient coq encore aujourd'hui, alors? Ici, mon coq. Bon, on aura pas mal d'artistes ce soir. Oui, mais aussi. Là, mon coq a fini trop dur. Là. Bah, c'est dur. Il faut que vous venez là. On a un nouvel arrivage, j'arrive là. Ben, m'a repris une trentaine à peu près là, qui arrive la semaine prochaine. Et après, on va laisser dire qu'elle est un peu grossie. Ben, après ça, fait une gel pour faire masse avec ça. Ben, ben. Ben, les bons, là, mais là, ça va, là. Hein? Les bons. Avec comme vous arrivez tout dedans d'habitude, à vous même ils mettent le poulet dans le lit là. Mais bon, Malo, comment allez? Ça va? Ça va alors? Hein, aujourd'hui, vous voulez dire la visée auprès de ne touche pas l'huile coco aujourd'hui, non? Ne touche pas l'huile coco. Eh, gars, ça. Là, on a fait revenir le poulet, il y a quelqu'un qui peut servir, non? Non. Rien? Pas rien alors. Hein? Toto, tu me prépares toutes ces épices là alors? Toto, pommes de terre, tomates, oignons, l'ail. Pas gingembre, non? Gingembre. Gingembre, t'as fumé aussi? Non. Mais pas de piment, là? Ah, arrête un peu de piment à côté, alors. Allez, bon. Benanina! Comment elle est? Ah, ça va bien, merci. Va bien. Ben, big up, Canal Austral. Merci, bon, invitez-nous. On y mange un coq pomme de terre? Ah, ben, nous mange. Ah bon? Ingrid, comment elle est? Ça va? Ça va, on est bien? Oui. Les bons, on mange coq? Oui. Et bon, après ce soir, on a des cocktails. Pardon, on attend de préparer des cocktails. Ah, ben, hein, bon. Parce que c'est une soirée cocktail ce soir. Ah, ok. Hein? Et puis, comment il est, Maëlle? Ça va, et vous? Ça va? Oui. Bah, on est chaud un petit peu pour nous ce soir? Oui. Hein, je suis une femme comme pas il comme faut. Les autres. Pas comme les autres. Voilà. D'accord, alors. Ouais, ben, écoute, on va vous voir ça dans un instant. Là. C'est bon, hein? C'est bon, là. Comment il est, où? Ça va. Ça va? Oui. Pas faim? Pas encore, parce qu'il ne mange pas comme elle encore. Hein? On dit banal encore au feu. Hein? Le coq encore au feu. C'est bon? Mais nous, ça va alors? Hein? Okay. Les bon, ça va un petit coup banal, moi. Alors? Saline! Que ça regarde même comme ça? Madame, ça prépare un cocktail, mais ma train de looker, comme dit banal. Train de looker? Train de looker? Il est déjà préparé, regarde comment ça se fait. Mais voir, mais voir, mais voir, mais aller voir un petit coup. Non, ça, c'est pas grave, ça, il y en a ça. Ça, c'est pour décorer ça. Ici, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui. Tu prépares un cocktail aussi, toi? Moi, non, mais je regarde faire. Tu regardes, c'est qui va préparer le cocktail? C'est Dizaya qui va faire. Dizaya? Oui. Comment ça va, Dizaya? Ça va et toi? Ça, c'est un nom d'artiste, ça? Hein? Un nom de DJ, non? On a l'impression, non? On dirait. Hein, DJ Dizaya. Ça sonne bien. Donc, tu devrais faire un peu DJ, hein, au lieu de faire le barman comme ça. Parce que c'est toi le barman de ce soir. Ouais. Hein, tu vas nous faire des cocktails. Hein. Voilà. Tu as préparé un petit peu. Là, c'est de la menthe que tu es en train de préparer. Tu es en train de d'effeuilleter. Comment on dit effeuiller, feuilleter? Je sais pas, effeuiller. Écailler. On écaille des feuilles de menthe. Et non, elle n'est pas vraie du tout. Non, elle n'est pas vraie du tout. Et les poissons, comment ils font? D'accord. Bon, je reviens dans un instant alors. Hein? Tu vas nous expliquer un petit peu ce soir tout le process de fabrication d'un bon cocktail. Hein? Ah. Mais Charlie, il faudrait dire aussi à tout le monde hein, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. À consommer avec modération. Hein? D'accord? Ok, elle est bon. C'est bon, Simone, comment ça va? Ça va, ça va. Ça va? Oui. Tu es content ce soir? Oui. Hein? On va faire des cocktails, c'est ça? Oui, hein? Cocktails, oui. Ok, alors. Allez. Sans alcool. Sans alcool? Oui. C'est bon. Ah, mais voilà, ça va, c'est la fumée alors. Ouais. Poulet. Vous la mettez dans le café, non?
même. Ça, ça fait sauce piment. Sauce oignon. Il a fait à bouffer, hein. Il est en train de causer. Il dit comme ça, là, un bon petit bread, un bon saucisse bien frit, un rebaille tomate, ou bien un bon rebaille brinjal grillé, pimenté. Il sera bien aussi pour la prochaine fois. Je note. Tout le monde est d'accord avec moi. Ah, il compte, ça n'est pas d'accord. Et bon, on fera le planning 15 jours là. Ok, pas de soucis. Je vais goûter le piment de Toto parce qu'il n'a pas laissé moi faire ça. Et puis madame piment, maintenant c'est monsieur piment. Ah quoi? Comment dit ça? Photocopie. Bobindin, Bobindin, super bon. Là, ça commence les verres aussi là. Bah, elle est toujours en train de cuire. Bon, bah, arrête toute la préparation, hein. Bah, là, pas trop vite, hein. Bon, bah, non, semaine prochaine, on a plus de gaz. Hein? Allez, moi, il faut me prendre le gaz la semaine prochaine, sinon on a plus de gaz la semaine prochaine. Là, les bons, il y a, ça va, il y a écrit. Un coq pomme de terre, hein, carré coq. Hein? Il est bon, c'est moi, un coq, hein. Coq, t'es que souffle. Coq, t'es que souffle. Faut cuire un peu. Hein? Les bons, là. Okay. Alors Disaya, comment ça va? Ça va. On reprend notre cocktail. Pourquoi tu as choisi un nom compliqué comme ça? Moi je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi. Mais pourquoi tu n'as pas demandé à ta maman pourquoi il a pris un nom comme ça? C'est originaire de quel endroit ça? Australie. Australie, ouais. Ah d'accord. Tu viens d'Australie là? Ouais. Ah bon, d'accord, alors ok. Donc les kangourous, tu les connais? Ouais. Les koalas aussi? C'est des amis ça. Ah ouais. D'accord. Le paresseux aussi, il y en a là-bas. Hein. Mais pas comme toi. Non. Non, parce que toi, tu es un bosseur. Ouais. Hein. Tu travailles dans un bar ou quoi? Ouais. Ah bon? Je travaille au Café d'Or. T'as pas besoin de faire la pub pour. Non, non. Ah, d'accord. Ah, j'ai oublié de te dire que la pub est interdite. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Là, je vois qu'il y a beaucoup de bouteilles comme ça. Il n'y en a pas énormément comme dans un bar. Parce que dans un bar, il y en a des tas et des paquets. Ouais. Mais là, avec ce qu'il y a ici, tu vas nous faire quelques grands classiques des cocktails ouais. Habituels qu'on peut servir dans un bar. D'accord? C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme cocktail comme ça qu'on peut servir dans un bar? Il y a la piña colada. Ouais. Il y a le mojito. Ouais. Il y a l'apérole spritz et après bon j'avoue j'ai pris un petit cocktail personnel, le ouais. Reverse Cowgirl. Composition, interprétation et tout, c'est de toi-même alors? Non. Hein, ça c'est comme les artistes ça, hein, quand ils écrivent eux-mêmes, ils interprètent eux-mêmes et donc ils ont tout pour eux. Là c'est toi qui as concocté ce cocktail? Non, c'est pas moi qui ai concocté ce cocktail mais c'est quelqu'un d'autre ouais. Et il est très bon. D'accord. Alors dis-moi, les cocktails, ça s'écrit, on écrit des livres de cocktails comme des livres de cuisine, on écrit des livres de cocktails comme on écrit des romans policiers, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais ça on le dira depuis jusqu'à tout à l'heure, hein, s'il faut. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour l'autre a voulu être dans ce métier-là, faire des cocktails? Bah, j'ai commencé dans un bar en Australie, comme un second job, parce que je faisais mes études ouais. Et voilà, ça m'a beaucoup plu, c'était facile, j'étais à l'aise dedans, du coup voilà, j'y vais jusqu'au bout. Ouais, ouais, d'accord, alors ok. Et te voilà à l'île de la Réunion. Hein, voilà. On savait bien qu'entre l'Australie et la Réunion, il n'y avait qu'un pas. Ouais. Oui, un pas de mer. Ouais. Oh, ouais, voilà, bon. Alors dis-nous, premier cocktail que tu veux nous faire là, c'est quoi? Bah là, j'ai commencé par un grand classique, hein, le mojito. Le mojito, hein. Ouais. Tu vois, t'as un checker là, hein. Ouais. On va dire merci à Christelle, qui nous a ramené un checker. Hein? Merci Christelle. Ah ouais. Ça c'est vraiment comme la truelle du maçon ça. Hein? On est maçon parce qu'on a une truelle et on est barman parce qu'on a un checker. Voilà. Voilà, exactement. On peut faire un cocktail si on n'a pas de checker chez soi. Oui hein? Bien sûr. Ben, le mojito il a même pas besoin du shaker. Ah ouais. Et c'est juste du citron vert, du sucre, de la menthe. Voilà. Et de l'eau gazeuse. Et toi un pilon avec un calou parce qu'il faut qu'écraser la menthe, non? J'ai ça, mais ça va pas marcher. Ouais.
Mais on peut faire le cocktail sans même écraser la menthe. Faut juste la taper entre ses mains. D'accord. Un petit peu comme on tape l'ail entre ses mains pour faire un bon rôti, il paraît que c'est meilleur. Donc voilà. Ça aussi, ça doit être bon. Hein. Alors, je te laisse faire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans ce... tu vas faire quoi avant là? Morito. Un morito. Morito, voilà. Du coup, normalement, on prend les morceaux de citron vert. Oui. On pile. Et tu écrases un petit peu dans un verre comme ça. Voilà. Il y a des verres qui sont faits pour les moritos. Si on peut prendre un verre à eau ou un verre... Il y a des verres spécifiques pour les mojitos. Ouais. Il faut que ce soit un verre de type tumbler. Du coup, c'est un verre un petit peu long. Ouais. Et là, et là. Ouais. Il faut un verre qui n'est pas très fin aussi, qui est assez épais, parce que comme tu piles à l'intérieur, donc il ne faut pas que ça explose. Hein. Voilà, bah, le sucre est important aussi dans un mojito. Exactement. Ouais, ouais. Il faut que tu mettes assez de sucre. Ouais. Bon, là... Il n'y a pas assez de jus, du coup on en rajoute un tout petit peu. De jus de citron, hein, voilà, de concentré de jus de citron. Comme la menthe, j'ai dit, on va voir la piler, du coup on va la taper. Ah ouais, ouais, tu le fais mal, hein. Ouais. Ouais. Ou entends-les crier, là, la menthe, hein, ouais. Tu entends la menthe crier? Non. Hein, la menthe, elle crie. Mais ce serait bien qu'elle crie dans mon verre. D'accord, ouais. Tracy, là, t'as entendu la menthe, comment elle tape? Tu connais pas l'histoire de la menthe? Hein, la menthe, pourquoi tu me tapes? Je t'ai jamais rien fait, moi, la menthe. Hein. Hein, je pousse au pied des arbres, je grandis dans la cour de mon voisin et je rends service à tous les gens qui me voient dans un bon morito. Non, mais ça, c'est typique de la poésie de la campagne. Tu connais Je bats la campagne? Non. Je bats la campagne, tu bats la campagne, il bat la campagne, il bat la campagne. La campagne, pourquoi la battre? Elle m'a jamais rien fait, la campagne. Je baille au corner. T'sais, ça, c'est un grand classique. Ça. Tu connais pas ça? Non, ok, mais c'est quoi cette culture générale que ces jeunes-là? Oh là là! Non, non, c'est un grand classique de la culture générale. Eh bien, tu vas nous apprendre. Voilà, 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 voilà. Et donc, du coup, glaçon aussi. Ouais. J'ai oublié. Glaçon. Hein, normalement, on la pile aussi, mais bon. On la pile, on l'écrase. J'ai pas la pile. Je vais pas la piler. Ouais, ouais. Je peux toujours essayer, mais ça va pas marcher. Non, c'est pas grave. Hein. Du coup, je vais. Là, maintenant, tu rajoutes de l'alcool. Ouais. Donc, les glaçons, toujours avant l'alcool. Parce toujours que si tu mets de l'alcool et que tu mets les glaçons après, mais les glaçons, ils vont faire sortir l'alcool. Ouais. Quand exactement comme le vin. Hein. Ouais. Blanc, rosé et rouge. J'ai jamais boire du rouge avant le rosé. Hein. C'est un grand classique, ça. Ouais. Mais c'est où ça, culture générale? On va dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer. Non pas avec charrette, mais avec modération. Hein? Ouais. D'accord? C'est bon. Alors, du rhum avec modération, ça c'est en fonction de si on aime alcoolisé ou pas alcoolisé. Hein? Ouais. Hein? Et de l'eau gazeuse. Et de l'eau gazeuse. Et de l'eau gazeuse. Hein? On a pris de l'eau gazeuse italien aujourd'hui, mais on pourrait prendre de l'eau gazeuse qui vient de la Réunion. Hein? Oui, bien sûr. Hein? N'importe voilà, quelle eau gazeuse, c'est la fête. Voilà, hein? Après, il faut touiller un petit peu. Après, il faut touiller un petit peu. Voilà. Et comment tu fais? Pourquoi tu mets la main comme ça là? Hein? Ça, c'est pour éviter que ça éclabousse. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et là, ensuite, une petite feuille de menthe au-dessus, juste pour décorer. Hein? Voilà. Là? Là, tu plantes en espérant que ça va pousser, mais ça va pas pousser. Ça pousse pas. Vraiment. Ça pousse pas. Un petit peu un petit citron pas dessus aussi pour décorer, ouais. Comme ça. Voilà. C'est toujours bien parce que on boit avec la bouche, mais on l'apprécie avec les yeux aussi, non? C'est ça. Voilà, exactement. Et voilà. Une paille. Et voilà. Qui veut un morito? Hein, Patrick veut un morito. Hein, voilà, voilà. T'es ton premier client. Alors Patrick, goûte un petit coup puis dis-moi si c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Ça va, bon, bien sûr. Bien. Hein? Bon, avec modération, Patrick. Hein? Ah, oui. Oh, ouais, c'est toujours pareil, hein, avec modération. Hein? Hein? Voilà. Et si on allait avec un petit pina colada? Parce que ça aussi, c'est grand classique des cocktails, ça, les pina colada. Hein? Bon, le pina colada, par contre, a besoin du shaker. Ouais. Obligé. Alors, c'est jus d'ananas. Ouais. Lait de coco. Toto, il veut quoi? Toto, il veut quoi? C'est quoi ton. Un pina colada? Ouais. Non. Un morito dans un instant, alors. On fait d'abord le pina colada. Hein? Nous, comme je disais, c'est avec le shaker. Ouais. Un petit peu de glaçon dans le shaker toujours, parce que les glaçons, ça, c'est ce qui fait remuer tout. Ah ouais. Hop. Ensuite, c'est ananas, lait de coco et du rhum. C'est tout. Très simple. C'est très simple, alors. Alors, ouais. Alors explique-nous, alors. Hein? Alors. Les proportions, c'est comment? C'est au feeling ou bien sinon, il y a vraiment une règle qu'il faut respecter? Alors, il y a une recette, c'est comme la cuisine. Ouais. Mais une fois que tu en fais quelques-uns, tu vas au feeling. Ah ouais? Mais ça a toujours le même goût. D'accord, alors, ok. Hein? Alors, il faut le mettre à peu près dosé. Il faut plus de jus d'ananas que de lait de coco. Ouais, ouais. Parce qu'il ne faut pas que le lait de coco prenne le dessus. Voilà. Hein, sur le lait de coco, c'est un,
c'est un arrière-goût. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est le goût de l'ananas. Voilà. Oui, prends le dessus. C'est-à-dire qu'on a plus l'impression de, d'avoir le jus de coco que le jus d'ananas. Hors d'un pina colada, moi je ne suis pas un expert de pina colada. Hein. Je ne vois pas ça, moi, mais je sais qu'il y, y a des règles. Hein. Et là, bien entendu, le rhum charrette. Hein. Mmh. Nous, on a pris du rhum charrette. Mais est-ce qu'il y a des rhums qui sont mieux que les autres pour faire un cocktail? On va parler de ces rhums un peu de l'autre bout du monde hein, que les Guadeloupéens, les Martiniquais utilisent. Hein. Bien sûr. Alors déjà, la, la vraie pina colada, c'est fait avec deux rhums. Mmh. Le rhum blanc et le rhum ambré. Ouais. Mais... Là, on a du rhum blanc, là, hein, parce que notre rhum charrette, c'est bien sûr. Hein. Mais du coup, le rhum ambré, c'est ce qui donne ce côté un peu plus chaud en bouche. Ah ouais. Mais ça se fait totalement avec que du rhum blanc aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Hein. Et là, il y a une technique, là, hein. tu le mets au coin de l'épaule aussi, dans le cou aussi, précis. Hein, regarde, hein, il y a une méthode pour faire ça. Hein. Alors, il y a la méthode avec l'intéressant et la méthode sans l'intéressant. Hein? Ah, ou là, vous ne connaissez pas où, ouais, on a deux méthodes. Ouais, ouais. Hein? Méthode si on veut faire son intéressant et la méthode si on veut faire plus simplement. Hein? Voilà, et surtout le verre. Le verre est important. C'est que ce soit un verre de type vin, un petit peu, pour la pina colada. Donc là-dedans, on a dit qu'on a du jus de. Ananas. Ananas, lait de coco. Lait de coco et du rhum. Voilà. Avec des glaçons pour l'instant. Hein? Voilà. Voilà. Et j'ai vu quelquefois, il met du sucre au bord du verre comme ça là. C'est pourquoi ça? Ça, c'est pour certains cocktails qui sont de type margarita. Ouais. Ça veut dire composition à peu près pareil. Ouais. Ça veut dire que c'est des tout petits cocktails. Tu mets beaucoup de rhum, moins de citron. Et tu mets un autre alcool comme du triple sec ou autre chose. D'accord. Et c'est surtout pour les cocktails qui sont pas très consistants. D'accord. Tu rajoutes un petit peu de sucre sur le côté. Et là, ta pina colada, elle est bonne là, bonne là, c'est bon. Ouais. Hein? Vous voulez pas trop pina colada? T'es pas trop pina colada? Non, j'ai commencé au citron moi. Au citron, hein, jus de citron, hein. D'accord. Mais le coco, c'est bon aussi. J'aimerais bien goûter. Je vais goûter tout d'accord, à l'heure. D'accord. Hein? Voilà. Bonjour Toto. Hey, Toto, veux pina colada? Ça commande ça. Ça, ça commande ça. Spécial. Ok, ben voilà, là, là, joli, hein, joli, hein. C'est joli, hein. Voilà, c'est voilà. Pour, ouais, ouais. Notre cuisinier. Voilà, voilà, hein. Heureusement que pendant tout le long de l'émission, c'est écrit en dessous que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, hein. Voilà. Oui, et là, troisième, alors. Troisième, je peux faire un. Alors, on a fait un pina colada, on a fait un mojito et voilà. On peut faire un petit cocktail comme tu m'as dit tout à l'heure, là, celle qu'on met le sucre par-dessus, là, non Ben oui, bien sûr, on peut faire celui-là, mais par contre, j'aurais juste ça. Ouais, on peut faire ça. Hein? Alors hein? Il cherche. Hein? Christian, il veut goûter un cocktail avec whisky. Est-ce que ça existe? Un cocktail avec whisky. Ok. Oh, ouais, on voit les buveurs là. Hein? On voit les adeptes là. Alors là-dedans, dans ton shaker, tu as mis des glaçons. Toujours pareil, voilà. Ça c'est la base. Hein? C'est ça. Toujours. Hein? Alors ce shaker là, il est bien ou bien? Sinon, il y a mieux. Enfin, meilleur shaker, c'est quand tu as deux bouts comme ça, ouais. Qui sont en boîte dedans. Ouais, ouais. Parce que celui-là, quand tu vas le shaker, ouais. Pour l'enlever, ah. C'est une galère un petit ah peu. Bon, d'accord. Mais okay. Ça fait très bien la tête. D'accord, ok. Hein? Voilà, donc il y a du whisky en bas, là-bas. dessous, sous le bar. J'ai caché le whisky ici. Hein? Ouais, ouais, voilà. Ok, bon. Je vais faire un papa ours. C'est comment tu dis ça? Papa ours. Tu m'insultes pas là, non? Non. D'accord, ok, d'accord. Du coup, c'est whisky. Hein? Papa ours, sors de là. Non, c'est pour ça que j'ai dit s'il m'insulte ou pas. Oui. Papa, ben maman, ah ben maman house. Maman house, maman à la maison. Là, on est parti dans l'anglais là. Oui, c'est bon, d'accord. Okay. Alors, whisky, glaçon. Voilà, glaçon, toujours dans le secteur. Ouais, le whisky, tu peux mettre n'importe quel whisky ou bien sinon un Johnny Walker, classique, c'est bon. Ben, il y a plusieurs types de whisky, il y a du whisky épicé aussi. Pure malt. Enfin, épicé, fire, t'appelles ça. Ouais. Et puis, oui, tu peux mettre n'importe quel whisky, ça dépend aussi. D'accord, ok, alors, hein, faut toujours doser. Hein. Voilà, toujours 4 centilitres à peu près. Ça, ça dépend. Une petite dose, c'est 4 centilitres. 4 centilitres, oh, c'est ouais. La normale. D'accord. Ça veut dire que c'est un verre standard. D'accord, d'accord. Christian, a ouvert un cocktail au whisky là. Il y a 4 centilitres même. 4 centilitres, c'est bon pour toi. Hein, c'est bon alors. Hein, hop, ok. Ensuite, jus de citron. Voilà. Sirop de pêche. Ouais.
au feeling toujours. Hein. Voilà. Toujours au feeling. Non, il y a des doses là. Par exemple, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait 2 centilitres à chaque fois. Ah, d'accord. De chaque. Hein. Donc, il faut avoir le coup de main alors hein, aussi. Hein. Voilà. Ouais. Après, il y a des doseurs spéciaux. Ça veut dire que si tu comptes jusqu'à 2 secondes, il y aura 2 centilitres qui sortent. Ah, d'accord, d'accord. Ça, hein. C'est crème de cerise. Oui. 1, 2. 2,5 ça, non ? Ça, c'est 2,5 ça. Très bien. Pas grave. Ouais, c'est bon. Et là, tu check. Non, tu check. Tu check. Tu check. Tu checker. Hein ? J'ai jamais su ça, dire ça, moi. Checker. Ouais. J'ai jamais dit ça. Ça se dit checker. Ouais, je quand sais. Tu fais ça, ça, mais ça veut dire check. Comme on utilise un checker. Donc d'accord, ben il check alors. Checker. Ah, où l'habitude dit checker. Ouais. Checker. Checker. La puce, ça n'existe plus, checker comme elle. Et voilà, donc. Alors, on a dit de cerise, du citron, du whisky, des glaçons. Voilà. C'est tout, hein. C'est tout. C'est tout, hein. Et là, un petit citron dessus pour faire genre. Très joli. Hein? Et puis après une petite paille, parce que ça se boit à la paille aussi, ça alors. Ça peut se boire à la paille. Dis-moi, hein, l'histoire de la paille, là, hein, ça, c'est un peu compliqué ça. Est-ce que c'est vrai qu'on se saoule plus si on boit à la paille que le verre? Ou bien je c'est un mythe ça? Je pense que tu te saoules moins justement et c'est pour plus apprécier parce qu'il y a moins dans la paille que dans la bouche. Ben, dis-moi, pourquoi des fois on met deux pailles dans un verre comme ça? Ça, c'est juste parce que normalement il y a des cocktails qui sont faits pour se déguster à deux. Ah. Mais si tu le prends seul. Eh ben, il y a quand même les deux pailles. Ah ben oui, c'est ça. Hein. Voilà, hein, ouais. Allez, bon, ben, Christian, avec modération, bien ensemble, bien entendu, comme on l'a dit. Hein. Bonne année. Oui, bonne année. Hein. D'accord, ok. Alors, en tout cas, merci bien, bien, sinon tu finis avec une autre création, ta création. Ouais. C'est pas ma création, mais c'est un cocktail très bon aussi. Ouais. On va faire le... Reverse Cowgirl, mais cette fois, normalement, c'est avec de la vodka. Comment le River, quoi ? Reverse Cowgirl. Ouais ? Ouais. Le Reverse Cowgirl. Sylvain, tu as entendu ça ? Hein ? Je sais pas. Ouais, un Scout Girl, mais dans la rivière. Pas en boîte de nuit, hein, Scout Girl. À la rivière. Oui. Toto, il y a l'autre là, il veut encore. Ah non, non! Hein? Encore, il veut encore? Comme ça. Mais, non, non, mais on lui a dit avec modération. Ah, non, 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 dis-lui, c'est avec modération. Toto, c'est avec modération, on a dit. Hein? Tu veux qu'on a des problèmes par la suite ou quoi? Voilà. Alors, dans ta création, il y a quoi là-bas? Bien entendu. Alors, ça, c'est du rhum blanc. Ouais. Normalement, c'est fait avec de la vodka. Mais ça marche très bien avec du rhum blanc. Ouais. Et c'est aussi moins cher. Et du coup, je vais mettre. 4 centilitres. 4 centilitres. Parce que ton doseur là, c'est un doseur de 4 centilitres, ça. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Après, des glaçons à l'intérieur, on n'a pas vu, mais il y a des glaçons à l'intérieur aussi. Voilà. Oui. Il y a deux côtés, 2 centilitres et un côté 4. Voilà. Ouais. Ça se vend partout dans les commerces. C'est pas très cher, mais ça permet de doser et de ne pas mettre des doses en plus parce que sinon tu capotes tout de suite. C'est ça. Hein? C'est voilà. Ça. Du coup. Voilà, Jus de passion. Oui, fruit de la passion, oui, voilà. Effectivement. Hein, tu m'as dit de prendre le fruit de la passion pour toi, donc c'était pour ça. Alors, rhum, fruit de la passion. Voilà. Et là, tu mets à peu près. À peu près 400 centilitres aussi. Voilà, pareil. Hein, ensuite, sirop de pêche. Sirop de pêche. Mais tu peux utiliser d'autres sirops aussi, si tu veux, ou bien un sirop de pêche, c'est bien. Oui, mais ça va juste changer le goût après. Ouais, voilà. Ouais. Ça, et. Crème de cerise. Crème de cerise. Hein. Ouais. J'ai vu que tu n'utilises pas beaucoup de crème de cassis qui est quand même assez vendue dans le marché actuellement. Ouais. On en voit partout. Hein. Mais ça, c'est juste pour le champagne ça. Pas vraiment, mais c'est plus utilisé pour faire du kir, par exemple. Ah, d'accord. Donc, okay. Voilà. Ah, c'est ça qui a fait toute la renommée des Bahamas. Hein. La check. Il y en a qui envoient sur l'épaule, qui rattrapent, reprend à l'arrière. Il y en a qui font des exercices avec, du sport avec. C'est pourquoi ça? C'est juste pour la frime? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Et hey, dis-moi, c'est quoi ce que tu as mis dessus là? Hein? Montre-moi un petit coup là. Ça, ça c'est quoi ça? C'est hein? Pour filtrer. Tu peux ressentir un petit coup les affaires quoi? Pour me montrer c'est quoi là? Non, non, là-bas, la machine. Hein? Ça, c'est le machine. Filtre. Ça, c'est un filtre alors. Voilà. Hein? C'est pour enlever toute la mousse du dessus. Ouais, ouais. Quand tu check des fois. Ouais, ouais. Et voilà. Voilà, c'est tout. Ah, d'accord, alors, ok. Et voilà. Le cocktail, il est bon. Il faut le décorer un petit peu aussi. Ouais. Ah ouais. Oui, il faut décorer le cocktail aussi. Ouais, bah oui, t'as 18 ans maintenant, ça va, ouais. Tu peux rester avec nous. Non, mais ça, c'est pour moi, ça. Ah bon? Ouais. Et on t'a dit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Non, mais il faut goûter. À consommer avec modération, hein. D'accord. Tout ça, hein. Et là, une paille, et voilà. Mmh. Ben voilà. Mmh. Yes. En tout cas, merci bien. De rien. Merci beaucoup. Hein. Il y a une question que je voulais te poser, parce que souvent quand je vois des cocktails, ils ont plusieurs couleurs, des tranches de couleurs. Comment on arrive à faire ces tranches de couleurs là? Principalement, c'est avec les jus ou les sirops qu'il y a dedans. Par exemple, le margarita, il est blanc. Ouais. Parce que c'est la tequila et du triple sec, c'est des alcools qui sont transparents comme le rhum, comme ouais, le rhum blanc. Ouais. Et quand on rajoute un petit peu de citron, ça épaissit le transparent et ça le rend blanc. D'accord. Et c'est principalement juste ça, c'est tequila, triple sec et du jus de citron, d'accord, qui fait la couleur. Okay, alors. Bah, merci bien pour tout ça. Hein. Donc, ouais, il y a longtemps qu'on voulait faire une émission un peu sur les cocktails, mais bon, là aujourd'hui on en a fait un. Et surtout, on répète et on répète encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le consommer, certes, mais avec modération. Voilà. D'accord. Merci bien. Merci. Hein, rappelle-nous ton nom. Jesaya. Jesaya, ça s'écrit comment ça? J-E-S-I-A-H. Ah d'accord, alors merci bien. Hein? On va manger un coq aux pommes de terre là, ça te dit? Ouais. Hein? C'est bon? Allez, c'est on y va alors. Allez. Merci. Alors, mais elle va manger. Hein? Bon, tu as bien chanté. Mmh, d'accord, hein? Hein? On va mettre ton clip un petit peu dans l'émission de cuisine aussi, comme ça. Hein? Mais t'es pas tout seul ce soir, parce que le zouk là, hein? Hein? Tu as quelqu'un ici qui est antillaise aussi. Oui, qui est antillaise, hein? Martiniquaise. Oui, salut. Salut, hein, tous les deux, hein? Comme ça, hein? On a fait du bon zouk, quand voilà, voilà. Un zouk de la Réunion avec un zouk des Antilles, hein? Voilà, hein? Bon, et le. La Réunion toujours solidaire. Et le carré coq aux pommes de terre, ça vous dirait? Oui. On y va? On attend avec impatience. Mais bon, ben on y va alors. Hein. Ah non, il y a quelqu'un qui va arriver. Oui, oui. Non, non. Ouais, Thierry Araï, le patron de Télécréole. Il va arriver là. Ouais, il va arriver. Hein? On attend, mais on commence quand même avant. Ouais. Mais t'as vu l'heure? Il se fait désirer, hein? Je me demande si des fois il n'a pas un deuxième prénom qui s'appelle Désiré, lui. À mon avis. Ouais. On va lui dire tout à l'heure qu'il va arriver. D'accord? Bon, allez, je vous laisse vous servir. Hein? Ah ben Toto a commencé, hein, Christian aussi, hein? Bien sûr. Ben voilà. Profite encore chaud. Toto, vous avez qu'à monter? Pas encore. Avant que m'y arrive, la mission soit personne, m'y fait. Fait. Donc comment la faire? Ouais, mal à vue, hein. Zarico rouge, m'a pas vu ça, Maca, là. Ouais. Et après, ici, hein? C'est quoi dans le marmite là, Toto? Dis-moi, c'est quoi là? Un poulet pomme de terre. Un poulet pomme de terre. Waouh, elle est jolie la couleur, hein? Hein, ouais, bien, hein? Ça sent bon. Ah, je ne sais pas s'il est bon, mais. Je vais me régaler. Ah. Il dort la même fois, les gars. Eh, alors, la fin. Quand l'arrivée m'a dit oh, comme ça, il faut être patient parce que, eh ben, la tête quoi fait cuire. Hein, on l'a vu, Toto Fine fait cuire, mais la fait patiente à nous. Il a faim. Allez, allons manger alors, elle. C'est bon? Allez, on y va. Eh, vous l'avez fait des photos? Beaucoup? C'est bon, alors. Très bien. Bon, Christian. Lui, on mange pas au don. Ah, ça mange. Ça mange. Ah, hein, bon, hein? Ah, oui. Hein, parce que depuis tout à l'heure, attends de même. Hein, ça, hein, il se met bon que l'entraque. Ici, pareil, Radio Crochet. Hein. Ben, dans l'entraque. Hein? Ça va alors? Ça va? Ouais, super. Ah, bienvenue. Bienvenue. Toujours un plaisir. On arrive à la fin quand tout le monde attend de manger un petit peu. Mais comme dit un bon malgache que je connais bien, Timanine, n'est pas grave. Le meilleur est pour la fin, paraît-il. Le meilleur par la fin. Allez, bon, alors, ok. Bon, on va manger, on va parler un petit peu tout à l'heure. Un petit peu tout à l'heure. Oui, bon, ben, bien sûr, toujours un plaisir. Allez, bon, alors, un coq aux pommes de terre. Waouh. Oui. À défaut. Parce que c'est un coq à défaut. Parce qu'au départ, tu n'es pas prévu. Tu es prévu un coq avec des choux-fleurs dedans. D'accord. Ma patrouille choux-fleurs, ma passe-partout, deux endroits, ma pas trouvé. Et le temps était compté, donc du coup, ma propre pomme de terre. Comme elle arrive ici, Toto, t'es pas contente. Ouais. C'est moi comme ça, m'a dit au soir, il fait coq avec choux-fleurs. Mais les parents, tout le monde l'a bien aimé. M'a dit au soir d'un instant. Et bon, dire moi, alors. Allô? C'est bon? Allô? Ok. Il est très très bon. D'accord. C'est rhum, jus de poisson, sirop de citron et crème de pêche. Allons-y.
Tu me refuses rien, papa. Ouais, tu sais que l'alcool à la télé, c'est avec une modération, mais avec beaucoup, beaucoup de modération. Depuis tout à l'heure, on a fait l'émission, on a écrit en dessous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Hein, d'accord. C'est bon. Non, mais là, c'est une expérience à vivre. Voilà. On l'a vu qu'une fois déjà. Exactement. Et puis, c'est la première fois qu'on fait une émission sur les cocktails, nous, chez nous, sur Canal Australien. Pourquoi pas la prochaine fois, on fera un petit truc avec seulement des cocktails chez toi. À Territoire, ouais. Voilà. Et avec Canal Australien. Bien sûr, ok. Hein, bon, Bilal Saou, bonne dégustation. Merci. Hein, merci. Et bonne dégustation aussi. Merci. Ben, je vois le jeune homme en train de préparer. Voilà. Hein? Un amateur. Voilà, avec modération. Un professionnel. Et bon. Eh ben, on a bien aimé tes cocktails. Hein? Merci. C'était bien, c'était chouette. Hein? Ouais. Hein? Merci bien, Tracy. Merci. Hein? De nous avoir fait connaître un barman aussi talentueux. Hein? Dizawan. Dizayan. Voilà, hein? Bon, ouais. Et tu manges que ça? Oui. On a bien bu des cocktails, du coup. Avec modération, bien sûr. On répète. Hein? Mais bon, bon appétit. Hein? Merci. Mais bon, ok, je vous laisse aller manger sous le kiosque là-bas. Oui. Ok. Merci. Allez. Merci.